Quel est le droit le plus important selon vous? C'est le droit à la non-discrimination parce que tous les enfants du monde ont droit à une religion différente des autres. Le droit à la liberté d'opinion, à la liberté de penser. Sans ce droit-là, c'est comme si on ne reconnaissait pas que les enfants avaient la possibilité de penser, la possibilité de s'exprimer et la possibilité de développer des opinions et un esprit critique. Pour moi, c'est extrêmement important qu'on donne cette possibilité de développer un esprit critique aux enfants dès le plus jeune âge et surtout qu'on leur donne le droit de penser ce qu'ils veulent, de croire en ce qu'ils veulent, d'espérer ce qu'ils veulent et d'avoir leur rêve pour le futur. On en a besoin partout dans le monde, puis pas juste au Québec même. Mais nous, on est au Canada, au Québec. Il y a encore des gens qui respectent pas ces droits, puis qui sont victimes de maltraitance, puis tout ce qui est contraire aux droits des enfants. Faut pas considérer que parce qu'ici, plus qu'ailleurs dans le monde, on a des droits acquis, des droits respectés, qu'ils le sont tous et qu'il faut arrêter d'en parler. Encore au Québec, au Canada, dans les pays développés, il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim, il y a des enfants qui attendent 24 heures aux urgences avant de pouvoir être soignés alors qu'ils ont une maladie grave. Alors ça, on n'en parle pas dans les pays développés, il nous reste encore du chemin à faire. Nous demandons à ce que ces droits soient promus, protégés, défendus et respectés. Ici et ailleurs, aujourd'hui et pour toujours. Depuis 2009, plus d'une soixantaine d'organismes de Québec se mobilisent en faveur du respect des principes fondamentaux de la Convention internationale des droits de l'enfant. Que plusieurs activités de promotion des droits de l'enfant seront présentées dans la région.